En août dernier, Kofi Olomide a rempli l'Olympia, le temple du Music Hall. Les places ont été prises d'assaut, 2000 personnes sont restées dehors. Certains sentent le vent tourner, comme cet homme, Henri de Bodina. Ancien d'une très très grosse maison de disques, il a tout quitté pour s'occuper aujourd'hui d'artistes comme Kofi. Alors, surpris par une telle hystérie? J'ai tellement été étonné qu'on a décidé le soir même de faire un zénith, donc le 7 novembre, et qu'on a distribué des tracts dans la foule qu'on avait imprimés dans l'après-midi pour leur dire « Ne vous énervez pas, ne cassez pas les vitres de l'Olympia, vous pourrez aller voir Kofi au zénith. » Du jamais vu dans cette salle, le concert a commencé à 2h du matin pour se terminer à l'aube. Un triomphe pour Kofi, surnommé le Julio Iglesias de l'Afrique. C'est un charmeur et je cherche cette occasion pour le rencontrer. Il chante très bien et on l'adore. Il chante la femme. Je mets pas de place. Je me suis fait belle pour Kofi. On va voir aujourd'hui. Kofi aimerait bien séduire le public français. L'un de ses points forts, c'est que c'est un grand showman. Il y a 20 personnes sur scène, une chorégraphie qui vient du Zaïre. Ça, par exemple, c'est le Ndombolo et ça peut aussi se danser en habit du dimanche. Mais au fait, Kofi chante en Lingala et les Français ne comprennent pas le Lingala. Vous savez, on n'a pas demandé à Michael Jackson de chanter en français pour qu'il soit agréé en France. On ne va pas me le demander, par justice. Et donc, les Français qui sont un peuple à l'esprit très ouvert, je suis sûr qu'ils vont, ils vont s'y faire. Ils vont savoir sur quel pied danser, c'est le cas de le dire. Depuis 10 ans, Kofi est une star en Afrique. Aujourd'hui, il remplit le zénith et demain, c'est peut-être vous qui danserez le Ndombolo. Et là, vous ne rêvez pas, c'est bien le zénith à Paris, plein à craquer. Il y a quelques jours, 7000 personnes sont venues acclamer Kofi Olomide, la star zaïroise. Mais quel est donc ce surprenant